Salut tout le monde, c'est Zoan64210. Donc cette fois-ci c'est un tuto, donc c'est la partie 2 en fait de ma vidéo, comment bien manipuler Camtasia sur le set, comment bien se servir. En fait j'ai pas dit que c'était la partie 1, mais je marquais dans le titre. Et là c'est la partie 2, elle va durer 5 minutes je pense. Et donc voilà, je commence tout de suite sans perdre de temps. Donc en fait j'ai fait à peu près le début sur l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, allez sur ma chaîne et vous la verrez. Et donc, c'est la vidéo juste en dessous de cette vidéo que je vais mettre. Donc, j'avais fait vite fait les trucs de musique. Alors, pour ajouter une musique, moi je vous dis, donc je vous avais dit, il faut aller dans Import Média. On va prendre par exemple du échantillon de musique, on va prendre Kalimba. Et voilà, j'ai une musique. Donc je vous avais appris à la prendre et la foutre jusqu'au zéro. Voilà. Donc vous avez aussi dit que ça c'est le bout de merde qui vous fait chier. Donc vous le prenez et vous le supprimez du plan de montage chronique. Voilà. Je suis allée un peu vite, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai déjà fait un tuto donc comment régler à peu près combien de temps on veut la musique. Mais je vous continue. Donc je vais vous faire des zooms. On met la flèche, double flèche, et on tire, on tire, on tire, on tire, et on retire un. Et donc voilà. Donc les petits carrés là, c'est des zooms, hein. Enfin les petits carrés, ouais. Ouais, on peut dire ça. Les anges carrés. Et c'est les zooms que j'ai fait. Donc ensuite, pour pas qu'on... Salut tout le monde, c'est découvrir en fait, j'ai pas fait exprès, mais au moins j'ai découvert. Donc je vous montre. Ça rend ça. On n'entend rien, vous êtes d'accord? Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer. En fait, vous allez dans plus et vous allez dans audio. Donc voilà, ça c'est les paramètres audio. Je vais vous faire un zoom hein, sur ça. Donc là, c'est. Baisser le volume, on peut mettre. Voilà, on met à peu près. En fait, oui, voilà, vous baissez 2-3 fois. Et je pense que ça va donner un bon truc. Ah non, en fait, c'est l'inverse, désolé. J'augmente un peu plus. Donc voilà, en fait, je me suis trompée. Ah oui, donc ça, voilà, ça c'est vous faites clic droit. Modifier l'audio. Donc moi c'est casse-toi la astuce de Camtasia. Alors vous prenez ça, bon, ça je vais pas toucher. Prenez ça, modifier l'audio. Voilà, ça va donner ça. Salut tout le monde, c'est Zoan64210. Comment tu vois? Donc baisser le volume, baisser le volume, baisser le volume, baisser le volume. Vous faites à peu près pas mal de fois. Salut tout le monde, c'est Zoan64210. C'est pour vous montrer comment supprimer une vidéo YouTube. Donc voilà, c'est un peu trop fort, donc on va encore baisser. Baisser jusqu'à quand qu'on entende un petit peu comme dans les autres vidéos. Donc voilà, on entend encore un peu. Il faut vraiment qu'on entende votre voix. C'est Zoan64210. Après, vous pouvez aussi mettre un peu plus fort le volume de votre voix. Donc par exemple, j'ai monté. Donc voilà, on revient au même là, voilà, comme là, comme là. Voilà, on n'entend pas très bien. Donc, pour ce faire, je vais vous faire un zoom ici. Donc, déjà, on déverrouille cette piste audio en cliquant ici. Dans le tuto, j'ai montré. Et on va verrouiller celle-là. Donc là, je remonte. Et je vais mettre ça. Modifier. Salut tout le monde, c'est Zoan64210. C'est pour vous montrer comment supprimer une vidéo YouTube en 30 secondes. Vous allez ici. Là. Voilà, gestionnaire de vidéos. Et voilà, on remet. Vous allez sur une vidéo et vous faites supprimer. Et voilà. Donc moi, je vais pas le faire. C'était très simple, surtout avec la nouvelle version. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!
Donc voilà, j'ai laissé un peu de musique de fond quand même. Donc voilà. Par contre, j'ai un autre truc. Voilà, donc vous retournez ici, bibliothèque de clips. Donc vous voyez que... Attends, on va revenir dans audio. Vous voyez que... Salut tout le monde, c'est Zoé, c'est l'audio 210. Là, l'audio que vous parlez, l'audio 1 et l'audio 2, la musique. Donc, vous voyez que, par exemple, vous avez mis une musique et ça met un peu de temps à commencer. 210, c'est pour vous montrer... Et bien, si vous voulez que ça commence directement la musique, vous prenez la petite flèche et vous tirez là. Salut voilà. Tout le monde, c'est Zoé. Donc voilà, donc ça donne ça. Mais le problème, c'est que si vous prenez ceci et vous le mettez donc à zéro, commencez la vidéo, ça fait... Il y a un gros blanc. Donc du coup, pour enlever ce blanc, il suffit de prendre ceci et de le... Vous faites juste un clic dessus et vous le décalez au max vers la gauche jusqu'à que ça fasse là, zéro, voilà. Et ici, là, vous prenez les deux petites flèches et vous tirez et mettez un peu plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, donc c'est bien fait en plus qu'il y ait la bonne musique là. Ou si vous voulez commencer directement avec la grosse musique, je veux dire, c'est doucement au début, après ça devient fort. Je peux... En fait, il suffit de prendre ceci et de le tirer là. Et de prendre ci et de tirer. Salut tout le monde, c'est Zoé 64. Je vais vous montrer comment ça va. Mais évidemment, à l'endroit pile. Donc moi, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc ensuite, ça vous donne ça. Ah, le problème c'est que j'ai baissé le volume du Salut tout le monde, c'est Zoé. Ctrl Z. Et Ctrl Z. Et Ctrl Z. Et Ctrl Z. Voilà, c'était comme ça. Là, c'est bon. Parce qu'en fait, si, il faut faire sur... Alors, si vous voulez, en fait, que toute la musique soit doucement, quoi. En fait, il fallait laisser toute la musique défiler. Et là, vous mettez l'audio baissé, baissé et votre voix augmentée. Donc, voilà. Donc ça va donner ça. Donc ça vous a donné, je vous l'ai déjà montré. Donc après, vous allez mettre un truc stylé pour la ferme par exemple. Donc vous faites plus. Donc j'ai déjà montré, mais j'ai pas bien fait. Clip de titre. Donc ça, on prend le curseur et on le met à l'endroit où vous voulez faire le clip de titre. Donc vous foutez là, à la fin de la vidéo. Et je fais ajouter un clip de titre. Ok, ouais. Donc ensuite, vous choisissez votre police, j'ai déjà fait. Moi j'aime bien Arial Black. Je vais mettre en 48. Et je vais foutre du noir, ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc ensuite, je vais foutre en gras. Voyons, qu'est-ce qu'il y a. Ouais, on peut mettre une image de fond. Donc ça, je vous ai pas montré non plus. Je vais vous montrer à peu près vite fait, qu'on marquait, mais le truc. Quoi. Donc, mettez... Merde. Mettez un like et abonnez-vous. Voilà. Ça doit vous donner ça, c'est que dalle gros en fait. 48. Voilà, on voit mieux. Ensuite, le fond, on peut mettre une... Oui, donc le fond, vous pouvez mettre le remplissage, on change la couleur. Moi, je laisse en rouge. Et vous pouvez, donc un zoom ici, je vous l'ai déjà fait, ouvrir là-dedans et vous pouvez choisir une image de fond. Moi, par exemple, je vais prendre... C'est vrai que je l'ai déjà fait, celui-là, mais je le refais parce que vraiment, voilà quoi. Je vais foutre ça. Bon, ça fait un peu flou, hein, on peut dire ça comme ça. Mais c'est parce que, bon, j'ai pas fait avec Photoshop. Donc voilà. On s'en fout du flou. Ça vous donne ça. Donc vous voyez bien que votre musique n'est pas au fond. En fait, je vais la... En fait, carrément, vous pouvez supprimer ce petit bout. Parce qu'il y a toujours des... Il y a toujours des petits bouts qui vont vous gêner. Donc voilà. Ça donne ça. Ici. Et là, vous allez rajouter, en fait, l'audio à partir de là. Voilà. Et là, bah, vous prenez de là et vous tirez... Donc voilà. Et... Merde. Voilà. Et ensuite, vous, je fais des zooms, hein, vous inquiétez pas, mais c'est un peu long. Voilà, vous décalez là.
Et ça, vous pouvez mettre par exemple. Mettez un like, voilà. Et par contre, le problème, c'est que par exemple, si vous avez. Ça, donc, vous faites. Si vous voulez, par exemple, un fond. Ça m'a fait fond noir alors que je voulais mettre fond rouge. Mais si ça n'a pas marché, vous pouvez dans. Là. Modifier le clip de titre. Mais merci, je sais qu'il faut. Voilà. Et le fond de remplissage, je vais mettre. Par exemple, on va mettre. Bleu. Ah ouais, ça marche pas. Ouais. Bon, ça dépend le fond de votre image. Bon, alors si ça marche pas, c'est pas grave. Mais ça dépend de votre image de fond. Vous, ça peut marcher. Moi, ça marche pas. Désolé. Moi, je vais mettre en rouge. Du coup, on va voir ce que j'ai écrit. Eh oh. Voilà. En rouge. Ah merde. Désolé. Petit gros mot. Bon, je pense que tout le monde en dit, hein. Voilà, ça ressort, ça fait stylé. Donc voilà. Donc, quand vous avez fini, vous pouvez retourner sur bibliothèque de clip. Vous prenez le curseur et vous le refoutez à zéro. Et voilà. Je vous rappelle que cette vidéo, je l'ai mis en ligne sur. Mais j'ai pas fait tous ces montages parce que je savais pas bien les faire. Et avec le temps, force de faire des tutos, voilà. Je les supprime pas pour en remettre parce que je les ai fait comme ça et j'aime bien. Donc voilà. Vous voyez ici vos trois machins. Salut tout le monde, c'est Zoan64210 pour vous montrer comment supprimer une vidéo YouTube en 30 secondes. 11 minutes. Vous allez ici. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai le gestionnaire de vidéos. Vous allez sur une vidéo et vous faites supprimer. Et voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc moi je vais pas le faire. C'était très simple, surtout avec la nouvelle version. N'hésitez pas à vous abonner. Salut! Désolé, ça a un peu bugué, mais quand ça bug, vous faites clic droit sur votre bureau, ça n'a rien à voir avec le camcorder. Mais c'est quand ça bug, vous faites ça. Et voilà. Vous pouvez reprendre. Donc, désolé, ça a un peu bugué. Ça bug plus, voyez ici. Voilà, ça se termine là. Donc c'était un peu long, on l'a fait, on peut dire. Donc si c'était un peu long, et qu'on prend le curseur et le refoutre à zéro, c'est sûr. Vous descendez un peu là et vous faites ça, comme ça on ne touche pas l'audio. Et en fait, ça, ici, ça recommence à zéro. Donc c'est pas moi qui ai choisi de vous prendre. N'hésitez pas à vous abonner. Salut! Voilà. Donc voilà, c'est pas votre ordi qui bug, hein, c'est le mien là. Je sais pas pourquoi. Mais en général, quand je filme, il bug pas. Il est qu'il est pas puissant. Hein, okay. Donc voilà, ça vous fait une bonne vidéo. Je regarde un peu comme une terrasse. Voilà. Donc ça, c'était un peu plus pour vraiment vous finir le truc. Après, si je refais une vidéo, ce sera comment bien manipuler Camtasia Studio 7, les bases. Donc voilà. Sur ce, je vous dis comme la dernière fois, salut sur la vidéo. Et salut tout le monde, c'est Zoan64210. Mettez un like pour vous montrer comment supprimer une vidéo YouTube en 30 secondes. Et abonnez-vous, vous allez ici. Allez, gestionnaire de vidéo. Laisse la vidéo. Vous allez sur une vidéo et vous faites supprimer. Et voilà. Donc moi je vais pas le faire. C'était très simple, surtout avec la nouvelle version. N'hésitez pas à vous abonner. Salut! Thank you.
salut et abonnez-vous.